Good morgen, allez Yiden, et ce soir aujourd'hui les Lonishmat, Fortuné Mazal Fritna, Bat Louisa, Richard Aaron Ben Fortuné Mazal Fritna, Janine Ruth Bat Fortuné Mazal Fritna, et François Fragil Ben Chana, et Claude Shalom, Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi que une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Yerushin, Perek Alef, Mishnah, et Nechassim Sheyesh Lem Acharayut. Niknin Bekesef, Vishtar ou Bechazaka, Veshanem Acharayut, et Niknin Ella Bimshicha. נכסים שיש להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה, וזוקקים הנכסים שאין להם אחריות, את הנכסים שיש להם אחריות, לשווה עליהן. Une nouvelle משנה sur les קניינים, soit les actes d'acquisition, משנה א', comment acquérir une femme, משנה ב', comment acquérir les esclaves juifs, ג', les esclaves goy, משנה ד', comment acquérir les animaux. Et à présent, on a la première Mishnah, la Mishnah qui commence en disant Nechassim Sheyesh Lahem Acharayut, les biens qui ont une garantie, plutôt qui sont eux-mêmes qui garantissent d'autres choses, c'est-à-dire les biens immobiliers, les biens qu'on peut hypothéquer pour des dettes, qu'on peut avoir une garantie de. Qu'on a besoin d'avoir, de mettre en garant des biens, on met des biens immobiliers, parce que les biens immobiliers, on peut facilement les. Les faire disparaître, ils peuvent se détériorer, alors qu'un terrain, il sera toujours là, en général. Nechassim, donc Nechassim chez Yesh Lahem Acharayut, des biens mobiliers qui viennent en garantie, qu'on signe en garantie, donc les biens immobiliers, Niknin Bekesef ou Bishtar ou Bechazaka, se font acquérir Bekesef en leur donnant de l'argent, ou Bishtar en, ou par en cédant un contrat, on écrit un contrat et on le transmet. Ou Bechazaka, en faisant un acte de saisie, de le saisir, comme un propriétaire a l'habitude de saisir. On va expliquer les trois choses, c'est simple. Bekesef, ça veut dire si je veux acheter un champ, je peux soit donner ça, même une partie de sa valeur, un acompte sur sa valeur, et ça acquiert tout le champ. Ça, c'est Bekesef. Bishtar, ça implique avec un contrat, soit. On précise entre nous que j'acquiers avec le contrat. En général, si on ne précise rien, transmettre un contrat ne suffit pas parce que, comme la Gemara le dit, Bishtar lokana chiten takesef. Chaque fois qu'on acquiert avec un contrat, l'acte est conclu que si au final on a donné l'argent. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un cas où on aurait précisé, où je lui donne cadeau par exemple, où on a précisé que je veux l'acquérir avec un contrat, le contrat peut aussi conclure, la transmission du contrat peut conclure l'acte d'acquisition. Encore Bechazaka, le fait de le saisir. Ça veut dire quoi de le saisir? C'est simple. Dès que tu vas te conduire dans le champ, comme un propriétaire se conduit, tu vas le clôturer, tu vas le fermer, tu vas au contraire lui ouvrir, tu vas le labourer. Il y a la Gemara, cette fois-ci dans le plus, dans Baba Batra, qui rallonge longuement pour définir toutes sortes d'actes d'acquisition qu'on peut faire avec la Chazaka. Et c'est une manière d'exprimer que maintenant tu es propriétaire et tu deviens propriétaire aussi. Ça, c'est pour les biens qui ont chez Yesh la Emacharayut, les biens qui sont, comme on garantit, donc les biens immobiliers. Veche en la Emacharayut, en niknin en la bimshicha. Par contre, les biens qui n'ont pas de, qui ne viennent pas en garantie, c'est-à-dire les biens immobiliers, les biens, excusez-moi, mobiliers, qu'on ne peut pas mettre en garantie, eh bien, en niknin en la bimshicha, on ne peut les acquérir qu'en les tirant, comme on avait expliqué dans la Mishnah précédente avec. Agba'a, Meshicha, Messira, chacun avec son type précis. Alors on a inclus tout dans le terme de Meshicha, le fait de le prendre et de partir avec. Et voilà. D'accord? Donc ça c'était, on a comparé les biens mobiliers avec les biens immobiliers. Du coup, la Mishnah veut nous apprendre encore deux halakhot entre les biens mobiliers et immobiliers. La première halakha, c'est encore en rapport avec les actes d'acquisition, que Nechassim Shen la Macharayut, les biens mobiliers, Niknin im nechassim sheyesh laim acharayut se font acquérir en même temps que les biens immobiliers bekesef ou bishtar ou bechazaka en donnant de l'argent, en écrivant un contrat ou en les saisissant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le kinyan agave. C'est très original. Vous voulez me vendre votre champ et votre téléphone, d'accord? Le téléphone, eh bien, en théorie, je dois faire agba'a sur le téléphone. Et Kesef Shtar Chazaka sur le champ. Eh bien, si jamais je vais payer le téléphone, je ne l'acquiers pas. Parce que
le téléphone on l'acquiert qu'avec l'acte d'acquisition et pas avec l'argent. Ce sera mieux, encore mieux précisé dans le prochain Mishnayot. Mais les biens mobiliers, on les acquiert que Bemeshicha Beagba, mais pas avec de l'argent. L'argent n'acquiert pas, ne conclut pas le Kinyan. On a connu ça longuement dans Baba Metzia, on ne va pas revenir dessus. Donc, on acquiert les biens mobiliers, donc le téléphone par exemple, on ne peut pas l'acquérir ni avec de l'argent, ni en écrivant un contrat. Vous m'écrivez que le téléphone il m'appartient, ça ne m'appartient pas. Et ni même avec Razaka, le fait de le rendre plus utile, plus beau, ça ne va pas l'acquérir. Ben, figurez-vous que malgré tout, si vous allez acquérir un bien immobilier avec Kesef Shtar Chazaka, on peut inclure dans ce contrat qu'on va vendre, puisqu'on ouvre la porte pour acquérir, ben on va pouvoir acquérir par son intermédiaire aussi toutes sortes de biens mobiliers sans faire d'acte d'acquisition. C'est-à-dire, vous voulez me vendre votre champ avec votre voiture, eh bien, je vais faire un acte d'acquisition. On va préciser que vous allez me donner le champ et la voiture. J'acquiers le champ à Gav et en même temps, j'acquiers aussi la voiture sans avoir fait d'acte d'acquisition sur la voiture. C'est un grand chidouche, ça s'appelle le Kinyan Agav. Entre parenthèses, si un jour vous allez découvrir le sujet, comment est-ce qu'on fait pour prendre le Hametz avant Pessah, parmi tous les Kinyan qu'on fait, on fait même aussi le Kinyan Agav. D'accord? C'est qu'on va vendre à un goy. On va lui vendre un petit bout de cette pièce, 4 mètres, de 4, je sais pas, 50 cm carrés, et en plus, on va lui vendre tout le Hametz d'Israël. D'accord? C'est comme ça qu'on fait une Mechira. Il y a plusieurs, c'est très compliqué. La Mechira de Hametz, quel Kinyan, quel acte d'acquisition exactement fonctionne. Pour revenir sur notre Mishnah, donc ce qu'on appelle le Kinyan Agav, avec l'action, l'acte d'acquisition qu'on fait sur le bien immobilier, on acquiert en même temps le bien immobilier. Et encore, une halakha en rapport avec les biens mobiliers et immobiliers. D'abord, j'introduis une notion pour ensuite découvrir ce que la Mishnah est venue m'apprendre. Vous savez que si je donne en gage ou en picadon à garder un... Je transmets ce stylo et je te dis, surveille le bien. Je te donnerai un... Surveille le bien. Et tu le poses ici et puis tu pars faire quelque chose, tu reviens, le stylo n'est plus là. Bepchia. Tu l'as laissé et t'as fait une erreur. Il y a quelqu'un qui est passé, qui l'a pris, qui l'a volé. C'était une erreur de l'avoir laissé ici. Moi, maintenant, j'ai un droit de te faire jurer la joie à ta chambrime. Jure-moi que tu n'as pas failli à ton devoir de bien garder le stylo. Si tu veux t'en dispenser. Si tu veux dire que c'est pas de ta faute, je te fais jurer que c'était pas de ta faute. Je peux faire jurer quelqu'un sur un bien mobilier. Par contre, sur un bien immobilier, si je lui donne ma maison à garder, je lui surveille bien, ferme bien les portes. Et puis, il n'a pas bien fermé les portes, quelqu'un qui est entré qui m'a cassé tous les murs. Il me dit, mais j'ai pas été fautif, il a défoncé la porte, c'est pas sa faute. Est-ce que je peux le faire jurer? Eh bien, je ne peux pas le faire jurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait jurer dans la Torah que sur les biens mobiliers et pas sur les biens immobiliers. C'est déduit qui ten ish el reu kesef kelim lishmor. On déduit là-bas du fait, par un moyen, un procédé de protocole local, on déduit là-bas que c'est uniquement les biens mobiliers. Et pas les biens immobiliers. Si on donne à garder un bien immobilier, on ne rend pas rêve de joie. Ben figurez-vous que malgré tout, si toutefois maintenant, je t'ai donné à garder ma maison et je t'ai donné à garder ma voiture, maintenant, je reviens, la voiture, elle a été volée, la maison, elle a été cassée. Je suis en droit de te faire jurer sur la voiture. Si déjà j'ai un droit de faire jurer sur la voiture, on va faire ce qu'on appelle un gilgul joua. Je vais entraîner la joie que maintenant je te dis, jure même aussi pour la maison. Parce que si déjà tu vas jurer pour moi, parce que j'ai des choses à réclamer, que tu dois m'apaiser, me tranquilliser en jurant, j'ai le droit maintenant de rajouter d'autres choses ensuite, aussi qu'en théorie tu n'étais pas imposé de jurer, je t'impose malgré tout de jurer sur eux. Parce que la Michel me dit, Vezokekin nechassim shen la macharayut, ils entraînent les biens qui n'ont pas de garantie, donc les biens immobiliers, les biens mobiliers entraînent, les biens immobiliers, les ishava lehen de jurer sur eux. C'est-à-dire ce qu'on appelle le gilgul juvua. Le gilgul juvua, c'est déduit tout ça dans la Torah, c'est surtout dans la parasha de Sota, si vous vous rappelez qu'on étudiait Sota, on avait déjà appris le principe que un homme, il ne peut pas prendre une femme, elle a fait jurer juste, jure-moi que, à telle date, quand je t'avais vu sortir de la maison avec un tel qui n'a rien eu de grave. Je
peux pas faire jurer une femme comme ça. Il y a tout un procédé pour faire jurer. Mais si toutefois on se retrouve dans une situation où on a résolu tout le procédé pour la faire jurer, parce qu'à une autre date, on l'avait prévenu, on a fait tout ce qu'il fallait, kino, hystéra et tout ça, on l'a fait jurer qu'il n'y a pas eu d'impureté avec un tel, dans ce cas-là, on va dire, tu sais quoi, c'est déjà, jure surtout, même si elle a la dernière fois, vas-y, tranquillise-moi. On aura le droit de faire ce qu'on appelle un gilgul joie. On va faire rouler la joie sur d'autres sujets. Il y a d'autres sujets sur lesquels j'étais pas en droit de la faire jurer, mais si déjà je te fais jurer sur ça, jure-moi aussi pour ça là-bas. Même principe, de là-bas on apprend donc que les biens immobiliers, on ne jure pas, les biens mobiliers, on jure. Si déjà j'ai l'occasion de te faire ouvrir la bouche pour jurer pour un bien mobilier, je vais te demander aussi d'entraîner, de faire aussi, de jurer aussi sur d'autres biens immobiliers en même temps dans la même lancée, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.